Bonjour à tous, je suis avec David Vandenberg. Salut les gars. Et David, tu es notre recordman officiel des temps autour de la piste du RC Park actuelle, ce qu'on appelle la V3, ouais. Que ce soit en 4-2 ou en 4-4. Ouais, bah pour le moment. Pour le moment. On attend les top pilotes qui arrivent. Et tant que c'est cette version-là de la piste. Ouais, mais... bah si tu changes demain, au moins la V3 c'est moi, c'est tout. Tu vas nous montrer aujourd'hui, donc ça c'est assez nouveau, c'est que tu es passé en 4-4, ouais. Parce que tu es un grand fan de 4-2 ici en 1/10e. Ouais, plutôt 4-2, ouais. Et on sait que c'est même pas ta catégorie fétiche puisque tu préfères le touring. Hein. Oui, bah touring, après, comme il y a le RC Park ici, il fallait forcément se remettre au TT. J'avais un XB2, mais j'ai changé une opportunité avec Vinny Exav. Je suis passé sur Asso, comme ça tout le monde a le même châssis. Non, pas moi. 2-3, bah, qu'est-ce que t'attends ? Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu nous montres le... Bah, je vais te montrer quelques tours où tu as fait, à mon avis, des 17 secondes d'affilée. Il y a peut-être moyen, je vais regarder sur donc, aujourd'hui, ton record en 4-4, c'est 17,5 à peu près, hein, ou 17... 17,42 ce matin, 17,41,8. 41,8. Et tant qu'on y est, on va montrer ta voiture, mais tu peux aussi dire ton record en 4-2 sur la piste actuelle. 17,89. 17,89. Ouais. Et en 4-2, bah, tu roules avec un moteur 6,5, je crois. Oui, 6,5, ouais. Speed, voilà. Baseline. Mais bon, le sujet de cette vidéo, c'est tu vas nous montrer ce 4x4 que tu as depuis très peu de temps en plus. Bah ouais, c'est voilà. la troisième fois, on va dire, que je le prends. Jusque-là, j'étais pas du tout content de l'auto. Et je me demandais même si le 4x4, c'était. J'allais continuer. Bon, à 17,4 quand j'ai repris le buggy, quoi. Attends, je fais une 10 mise au point. Alors voilà, donc. Je fais un zoom. 17,43 là, sur cette session-là. Ok, félicitations. Merci. Alors, donc, tu as un petit Masso B. Masso B74.2. Ouais. Là-dessus, motorisation VS Line avec les AQ VS Line. J'ai un Vario Quick Run 10BL 120, donc du bas de gamme. Voilà, donc comme quoi vous pouvez faire un record de piste avec un Vario Quick Run. Voilà. Du coup, très peu de réglages là-dedans. Hein. C'est la carte à LED, donc il y a quasiment rien comme réglage. Et est-ce qu'il supporte très bien, parce que tu as un moteur 5,5 donc c'est le maximum. Le VS, voilà, donc il chauffe pas, je veux dire, tu n'as pas de coupure. Bah, je les ai enlevés. Tu as enlevé les coupures, ça va. J'ai enlevé les coupures. Donc, bah, en plus, tu as fait beaucoup de run aujourd'hui, donc tu l'as éprouvé là, le matériel. Ouais, et en plus, il fait lourd dans la salle. Hein. Ouais, il fait quand même, il doit faire une trentaine de degrés de voilà. Entre 25 et 30. C'est ça. Tu veux nous partager un tout petit peu tes réglages ou c'est secret ? Ah non, c'est pas secret, mais par rapport au setup de boîte, j'ai réduit les diffs, je suis en 10 au lieu des 15 à l'avant et 7 à l'arrière au lieu des 15 préconisés également. Les huiles, c'est d'origine. Par contre, les pistons, c'est pas d'origine, c'est les options 3 trous, okay. 1, 6, 1, 7. 3 trous, 1, 7, à l'arrière, 1, 6 à l'avant. La position d'Ackermann, je l'ai mise ici plutôt que à l'avant. Ça, t'as vu une grosse différence? Beaucoup plus fluide dans les virages à fort grip. Je me suis retourné beaucoup moins. Ah oui, t'as un diff. J'ai un slipper. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? Bah, j'ai mis de l'anti-cabrage à l'arrière et puis du. Je sais plus comment ça s'appelle, l'anti. De la chasse? Non, pas de la chasse. Enfin, j'ai remonté les triangles aussi parce que c'est assez bumpy ici et donc pour que la voiture elle puisse mieux absorber les aspérités, j'ai relevé les. En hauteur de châssis? 14-16. Ok. Bon, ben voilà, David, je sais que tu es pressé. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné une partie de tes secrets et d'avoir montré ton pilotage. Voilà, à vous, j'attends de faire la vidéo avec le successeur de David. Ouais, bah voilà. Allez, venez rouler, venez me détrôner s'il vous plaît. Voilà, c'est le but, hein. Thank you.
Allez, merci, bonne journée à toi. Salut. Ciao. Ciao.